Hello les gens, c'est Mister Chantine. Comment allez-vous? Ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est une vidéo où je vais faire un challenge. Vous connaissez peut-être certainement, je pense que oui. C'est des bonbons que j'ai achetés dans un magasin au Saison de Meaux qui s'appelle Normal. Donc, le magasin s'appelle Normal et ils ont mis en rayon des bonbons, des parodies, enfin des répliques de bonbons très connus. Ce sont les Jelly Belly. Donc là, ce sont les Mr. Twister Challenge. Donc ce sont des répliques. Ce ne sont pas les vrais Jelly Belly, mais c'est une réplique de ces bonbons. Et en fait, il y a des nouveautés sur ces bonbons. Il y a banane ou pieuvre, je crois. Ça, c'est une pieuvre ou un poulpe. Squid, c'est un poulpe. Ensuite, là, vous avez fraise ou piment Caroline Reaper. Pêche, poire ou crotte de nez. Donc, ça, c'est celui des Jelly Belly classiques. Fruit tropical ou escargot. Et coca ou nourriture pour chien. Voilà. Donc, avec une petite roulette. Et ça m'a coûté 7 euros. Parce qu'en fait, ils n'ont pas mis les prix sur le truc, ils les ont mis comme ça. Et en passant à la caisse, 7 euros, ça m'a coûté. Bref, on va les déballer et les tester. Je vais prendre ça parce que... Ah, ça ne veut pas s'ouvrir, ça m'énerve, ça ne s'ouvre pas. Voilà, c'est bon. Ah bah dis donc. Ça en met du temps. Voilà. Alors, donc ça se présente comme ça, hein. Une petite boîte comme ça. Donc je vais enlever ça. Donc ah oui mince, c'est en fait il faut laisser le haut parce qu'en fait ah non bah non je suis bête. On peut l'enlever parce qu'on fait tourner comme ça et ça fonctionne très bien. Alors maintenant je vais tourner la roue. C'est parti. Sur quoi je vais tomber? Ah, sur celui-là. Le pêche ou la crotte de nez? 1, 2, 3. Pêche. Trop bon. C'est excellent. Excellent, j'adore. Trop bon. Allez, on recommence. Ah, le bleu. Baie bleue ou... non, c'est chewing-gum ou dentifrice. 1, 2, 3. Wouah! Dentifrice, mais celui-là il est fort, hein. Ouh. Ah ouais, il dit... Waouh! Waouh! Il est fort, hein. Il est encore plus fort que le Jelly Belly original. Hein. Boire un coup parce que ça pique. Allez, on va faire un autre. Ça va piquer. Fraise ou piment Carolina? 1, 2, 3.
Alors ce jeu-là, je vous le recommande pas du tout. Je viens de tomber sur le piment. Et il déchire. Il est. Ah. Ça me pique les yeux là. Ça me brûle les yeux. Putain, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Ah, j'ai la langue en feu. On va en faire un autre parce que. Allez, on en fait un autre. Ça arrache. Oula. Banane ou poulpe? Putain, j'ai la langue en feu. Ça arrache. Donc c'est celui-là. Oh, oh. Rattrape pas de justesse. 1, 2, 3. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça, c'est le poulpe. C'est pas bon du tout. Allez, il nous reste plus que le 2. Donc il nous reste 2. Il nous reste Coca ou nourriture pour chien ou Tropical Fruit et Escargot. Coca ou nourriture pour chien. 1, 2, 3. Coca. C'est très bon. Très bon. Ouais. Ah bah, ça aurait été nourriture pour chien, ça va, c'est pas. Moi j'en ai mangé dans les Jelly Belly classiques, hein. C'est pas dérangeant. Ah, j'arrête pas de renifler parce que le piment il pique, hein. Vache. Allez, on va essayer d'avoir le dernier. Allez, le dernier. Oh, pourquoi tout? Non, on va recommencer. On est retombé sur le coca là. Ah, yes, ça y est, on est fini au dernier. Fruit tropical ou escargot? Je sais pas du tout à quoi ça va avoir, mais quel goût que ça va avoir, mais bon, c'est parti, c'est pas grave. 1, 2, 3. Et bah, pas pour cette fois. Fruit tropical. Très bon. Ouais, on aura ça. Donc. Voilà comment ça se présente. Mais par contre, faites très très attention. Parce que si vous tombez sur le piment, vous allez avoir comme moi. Vous allez avoir la gorge en feu. C'est impossible. Moi, j'arrivais plus à reprendre mon. À avaler. Parce que dès que j'essayais d'avaler le bonbon, ça me cramait littéralement la bouche. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je vous le recommande pas. Enfin, après, si vous le voulez, vous le trouvez au magasin normal qui se situe aux Saisons de Meaux. Après, si vous avez un magasin normal près de chez vous, bah, vous pouvez y aller. Mais ça, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Parce que ça, 7 euros pour ça, ouais. Ouais, je crois qu'ils y sont sur Amazon ceux-là. Ouais. Mais non là. Je pensais même pas tomber sur le piment. Hein. Je croyais tomber sur la fraise, mais pas sur le piment. Hein. Voilà. Bon bah voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mr. John Cena. Sur ce, ciao à tous.